écoutez Numix 12. Bonjour, nous sommes le 18 mai. Bienvenue au Midi 12 au canal Numix. Je suis Daphné Letourneau et vous êtes probablement en train de faire réchauffer votre lunch dans le micro-ondes ou si vous êtes en Europe, en train de prendre un apéro du mardi soir. Heure de pointe avec circulation fluide sur la bande passante, les finalistes de trois catégories seront annoncés à pleine vitesse. Si ça va trop vite pour vous, arrêtez dans la voie de service ou visitez Espace Numix ou numix.ca pour prendre le temps de digérer tout ça, ou votre lunch, ou votre apéro. Et moi, je vous donne rendez-vous demain, midi 12. Là, on n'a plus le temps de tourner autour du pot. Dis-nous-le, t'étais où le 22 au soir, entre 13h et 14h? Nulle part. J'étais en chinois en train d'écouter Domino 2, cette excellente série web, où Frédéric se rend compte qu'il en revenait de Miami. Ses amis sont plus des amis. Ah, on le sait que tu nous mens, OK? On a checké avec ton fournisseur Internet, puis t'écoutais Les Fleuristes. Ah oui, cette excellente série web où est-ce que Akbar est un fleuriste et sur le bord de la retraite et il engage son neveu Walid, qui est aussi un humoriste de la relève, sur le bord de la retraite. Là, là, dernière chance, avoue, sinon passe le restant de ta vie en prison. J'avoue que j'aimerais ça passer le reste de ma vie en prison pour écouter des excellentes séries web, comme l'excellente série web Claire et les vieux, une série où Claire, 9 ans, est prise en charge par sa grand-mère qui vit dans un foyer de personnes âgées. Ouais. J'avoue que ça a l'air bon, tout ça. Oui, c'est bon. C'est, ils sont tous nommés au Numix. Veux-tu un café? Non. J'aimerais ça en un beigne. On en a pas? On en a-tu? Bonjour, Marco! Ah, salut, Marc. Excuse-moi, pas trouvé de parking dans le coin. C'est normal, t'es venu à pied. Non, je suis pas venu à pied, je suis venu à la main. C'est une joke d'inside. C'est un inside, t'as pointu. Aïe. Salut hey. Tout le monde. Salut les bon enfants, bon. Je vous avais pas vu. Oh, hey, oui. Hey, toi, tu t'appelles comment? Moi, c'est Marc. Moi, je m'appelle Marco et nous vous parlons de produits de marque. Oh oui! Aïe. Est-ce que tu connais ça, toi, des capsules puis les web-séries? Oui, moi, j'en connais beaucoup. D'ailleurs, il y en a une que j'aimerais te parler. C'est, c'est le micro-festival Belle Gueule. Mais qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une série de concerts estivaux diffusée en direct sur Facebook. Puis là, le public, là-dessus, il peut voter et décider de l'issue de la présentation. Wow, c'est super le fun. Ça paraît pas du tout que tu lis un texte. Ah non? Hey, j'ai une question pour toi. Oui? Ouais. Est-ce que t'es toujours avec ta copine? Oui. Toi? Non! Nathalie m'a quitté! Oh non! Est-ce que tu veux savoir pourquoi? Si c'est pas trop indiscret, je suis curieux. Mais je vais te le dire. C'est ce qui est arrivé, c'est que on a regardé une web-série qui s'appelle « Mêle-toi de mes affaires, la sexualité ». Oui! Sexualité! Oh. Et dans le fond, ce qu'on fait, c'est que on participe, on répond à un questionnaire sur notre vie sexuelle, puis on y confronte les réponses avec celles de notre partenaire. Ah. On n'a pas les mêmes réponses. Ah, oh, fait que c'est pour ça! Oui, puis pourtant, j'avais copié sur elle. Oh. En tout cas, j'espère que vous en avez appris un peu aujourd'hui. Oui, moi aussi, je l'espère. Ah. Marc et Marco, nous, on n'est pas d'une marque. Et regarde, je te fais une petite marque. Oh non! C'est thématique! Oui, eh bien, salut les amis, on se revoit demain. Oui, au revoir tout le monde. Marc et Marco parlent de produits de marque. Yeah. Wow, quel truc! C'était pas super. Bye bye. Merci. Thank you.
la bienvenue à Mettez les pocs dans le net puis la bière aux frettes, le balado qui s'écoute le mieux dans une tempête de sable ou dans l'œil d'un ouragan. Cette semaine, je te parle d'une catégorie, là, l'International Experience XR Immersif. Ça, c'est quelque chose. Attache ta tuque, OK, parce que ça part. C'est genre, faut-tu mettre des lunettes, genre, VR, genre, tu sais, des... Hey, moi, c'est pas des lunettes que tu peux acheter, genre... À l'optométraliste, le gars des lunettes. Et puis, parenthèse, allez jamais voir mon gars de lunettes. Le gars de Saint-Romuald qui vend des lunettes, il a essayé de me vendre des lunettes avec un foyer. Un foyer? Tu te l'as d'un chalet à Beaumont? Mais non. Mais pour vrai, j'ai vécu tellement des belles expériences. J'ai vécu un procès. J'étais là, c'était tellement touchant. Le dernier procès que j'ai vécu, c'était pas touchant. Hey, j'étais dans le public à l'arbitre. Non, mais j'ai vécu, genre, tu sais, des affaires. Un univers aquatique. J'ai découvert le punk rock du Lower East Side. J'ai découvert un genre d'histoire que le soleil a arrêté de travailler. Puis là, il n'y a plus de lumière. Puis là, les zombies sortent. Puis là, il y a une histoire d'amour en un zombie. Puis une personne. C'était tellement beau. Moi, j'ai tout vécu ça à cause des quatre nominés dans cette catégorie-là. Accused No. 2 de Walter Sinsulu. Aqua Alta. Battle Scar. Punk Was Invited by Girls. Et Gloomy Eyes. Pour vrai, chapeau, vous m'avez fait vivre de quoi de plus intense que la dernière conquête de la Coupe Stanley en 93. Merci. Mouah!